allez-y, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui fait comme nous, quoi. Et à propos d'achat, regardez notre mot du jour, cadon. Le croisement de cadeau et de don, c'est l'une des tendances de ces fêtes 2019. Les clients veulent donner du sens aux présents qu'ils vont déposer sous le sapin. Et certaines marques les aident en dédiant une partie des recettes à une œuvre de bienfaisance. Mireille Layani, Pierre-Emerick Dubois et Charlotte Dardelin. Offrir des cadeaux de Noël à ses proches, c'est classique. Mais le faire pour la bonne cause, ça, c'est classe. Ici, pour l'achat d'un coffret de produits de beauté... Nous reversons les bénéfices à l'association Le Refuge. Le Refuge soutient les personnes victimes d'homophobie. Dans ce magasin, pour Noël, un partenariat s'est créé permettant aux clients d'acheter des produits et de financer par la même occasion l'association. On le fait avec plaisir et on s'engage de façon un peu plus citoyenne. Sur Internet, les ONG se mobilisent aussi autour du Noël solidaire. Amnesty International propose de l'achat en ligne, tout comme l'association Les Petits Frères des Pauvres. Chaque vente génère un don pour une personne dans le besoin. Sur le terrain, on s'active aussi. Et 100% va être donné pour opérer des enfants. Le mécénat chirurgie cardiaque a organisé aujourd'hui une vente de produits en tout genre. C'est un truc à construire, c'est comme les Lego. Ah, génial. Jeux, vêtements, chocolat, ici tout est vendu moins cher. De moins 50 à moins 70%. C'est super bonne affaire. C'est pour la bonne cause. On est heureux. Enfin, voilà, ça nous... c'est l'esprit de Noël. Les 160 bénévoles mobilisés pour l'opération ont eux aussi les bras bien chargés. D'autres n'ont plus rien. Ah oui, en 2 heures, les jouets sont partis. On avait des grands, des garages, des voitures, des vélos, des tracteurs. Au-delà des bonnes affaires, c'est aussi l'occasion pour les 200 marques partenaires de montrer leur engagement. Donc tout ce qui est vendu ici, ce sont des produits qu'on nous a offerts, ce qui fait que 100% de ce qu'on va vendre, des produits qu'on nous donne, sont au profit des enfants. Ça nous permet de financer l'opération d'enfants cardiaques. Grâce à ces ventes, 8 enfants pourront être opérés cette année. Un cadeau qui n'a pas de prix. Et ces fêtes de Noël ressemblent